مجلس ملی فرانسه کنفرانس چشمانداز ایران در سال 2019 با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت. C'est avec une grande émotion que je me retrouve à nouveau parmi vous. Monsieur Chassaigne nous rappelait ces moments après ma libération. J'ai été reçue, je vois des visages qui me sont familiers, à un moment tellement extraordinaire de la libération. Et c'est pour cela, je pense, que je sens cette vibration très spéciale de venir parler devant vous, alors que je sais combien je vous dois, que je sais l'importance que vos mots, vos attitudes, que votre engagement a eu pour la préservation de ma vie et aussi pour la récupération de ma liberté. Et c'est en ce sens que je dimensionne la capacité que vous avez de faire changer les choses pour un pays comme l'Iran. Alors je voulais d'abord commencer par vous remercier pour cette invitation, vous dire que c'est un moment de réflexion pour moi. Nous étions avec Madame de Vaucouleurs et Monsieur Gosselin, il y a quelques mois de cela, à Villepinte. Et nous venions parler de cet engagement que nous avons pour un Iran libre. Et nous avons su par la suite qu'il y avait eu un attentat pour tuer Madame Rajavi, mais nous serions morts tous au passage. Et réflexion, parce que la question que nous devons nous poser est bien sûr celle de pourquoi. Pourquoi un attentat? Pourquoi un attentat dans les conditions dans lesquelles cela s'est fait? Et je crois qu'il faut répondre à cette question. Quel est le but de faire disparaître Madame Rajavi, de faire disparaître le Conseil de la résistance iranienne, de nous faire disparaître, nous tous qui soutenons la possibilité d'un Iran démocratique et libre? Eh bien, je crois que la réponse, elle est simple, mais parfois il faut la rappeler. C'est que les mollahs veulent convaincre le monde qu'il n'y a qu'un interlocuteur viable en Iran, et c'est eux. Que tout autre possibilité, toute autre option n'existe pas, et que sans eux, ça serait vouer l'Iran au chaos, et que, sachant combien la communauté internationale est frileuse face à la possibilité qu'un pays comme l'Iran, avec les ressources de l'Iran, avec la position stratégique de l'Iran, tombe dans une espèce de révolution sans aucun sens, elle tient à faire valoir le fait qu'il vaut mieux eux, dans cette dictature, dans cette horreur pour 80 millions d'Iraniens, que la possibilité d'un changement. Alors, élimination physique, évidemment, élimination de l'espoir. Pourquoi? Parce que c'est un régime, nous l'avons entendu de façon diverse, qui est au bord du gouffre, qui se sent déstabilisé, doit faire face tous les jours à des émeutes, à des grèves, à des soubresauts sociaux, à des résistances de la population contre la faim, contre le chômage. Mais c'est aussi et surtout une élimination morale. Et je voudrais vous en parler parce que je crois que dans le pays de liberté d'expression, de réflexion, d'esprit critique, nous devons prendre nos cuirasses mentales, nos catégories de réflexion pour faire face à ce que je crois être une stratégie très pernicieuse de désinformation, de manipulation, de calomnie, de fake news, de diabolisation, en vue de justement nous faire croire à nous tous qui sommes
des citoyens libres, que pour notre intérêt, il vaut mieux composer avec la dictature des mollahs. Je dis cela parce que depuis longtemps, je suis sensible à la présence de ces lobbies qui essaient de nous faire croire qu'on n'a pas le droit de parler, que si l'on parle, on est en risque physique de payer les conséquences de nos paroles, que on va être accusé de toutes sortes de choses parce que nous avons la possibilité de dire ce que nous pensons. Et souvent, je me suis rendu compte qu'il suffit d'une seule personne dans des entités, que ce soit des organisations internationales, que ce soit dans les médias, que ce soit même dans les parlements. Une seule personne suffit pour mettre en mouvement ce poison, ces calomnies, qui vont faire germiner le doute. Et qui, en faisant germiner le doute, vont nous enlever ce qui est, je crois, la force de toute résistance, c'est l'espoir, grâce à la vérité, grâce à l'absolue certitude que l'on défend ce qui doit être défendu, que l'on est dans le vrai. Alors, il y a un constat à faire, Monsieur Solignac l'a fait, c'est que dans le régime iranien, la diplomatie iranienne fait partie d'un système de mise en place d'actions terroristes. Ce n'est pas des roues libres. Ce ne sont pas des individus occasionnels qui, de façon individuelle, se rendraient coupables de machinations qui n'auraient pas de sens dans une stratégie globale. Non, il s'agit d'une politique nationale du régime des mollahs, qui est celle d'utiliser tous les moyens, dont le terrorisme, pour face à ce qu'ils craignent le plus, c'est-à-dire la possibilité d'un changement de régime. Ce constat, c'est aussi le constat de la France, du Quai d'Orsay français, du gouvernement du président Macron, qui a tenu à prendre position avec l'Union européenne pour sanctionner le ministère du renseignement iranien, euphémisme évidemment, puisque on ne peut pas sanctionner un ministère sans immédiatement montrer du doigt les leaders de ce gouvernement, et donc de haut en bas, depuis Khamenei en passant par Rouhani, et tout le système de cette dictature corrompue. Constat de ce terrorisme qui n'est pas une accusation, qui est une réalité prouvée par les services de sécurité des pays européens, avec des faits qui sont prouvés. On l'a mentionné ici, Madame Rajavi l'a fait, en Albanie en mars 2018, en France en juin, nous y étions, au Danemark en septembre. Des diplomates iraniens ont été mis en cause directement comme coupables de ces attentats qui, heureusement, n'ont pas eu lieu, qui ont été déjoués par les services d'intelligence européens, notamment français, belges, allemands, et qui ont permis de montrer ce visage, qui est celui de véritablement un pays, un Iran, qui fait du terrorisme sa diplomatie. C'est sa façon de se mouvoir dans le monde, c'est de nous dire à nous, peuple libre, que si nous ne pactons pas avec lui, eh bien, sa diplomatie est au service de son terrorisme, terrorisme qu'on a vu en Syrie, au Yémen, que nous avons vu avec Al-Qaïda, qui, dont les membres sont en Iran, hébergés en Iran encore, et par cette façon de faire qui l'unit fortement au terrorisme que nous combattons, celui de Daesh, et ce terrorisme que nous avons vu ici en France avec les actes terroristes que nous avons vécus. Ce terrorisme a deux volets. Un volet
dur, celui de tuer, un volet, disons, doux, celui de désinformer. Alors, première désinformation, on nous dit oui, mais il n'y a pas de possibilité de faire une transition vers une démocratie, il n'y a que nous. Alors, évidemment faux, puisque nous comptons avec le Conseil national de la résistance iranienne, qui est un parlement en exil de 500 membres qui, de leur voix, ont élu Madame Rajavi pour être, et je crois que ça c'est très important que nous y pensions, pour être la présidente intérimaire de ce de cet Iran que nous espérons. Donc il n'y a pas de vide de pouvoir, il n'y a pas de chaos. Il y a une structure démocratique mise en place pour permettre aux Iraniens d'avoir des élections libres qui leur permettront de construire une démocratie, selon les bases d'un programme que Madame Rajavi, depuis des années, répète sans se lasser, qui est celle d'une démocratie séculaire où les droits de l'homme seront respectés, un Iran de paix qui cherchera la paix et non pas avec des ambitions d'armes nucléaires, qui sera un partenaire de paix dans la région, et on en a besoin, et qui sera aussi et surtout pour nous les femmes un Iran respectueux des droits des êtres humains, avec une égalité entre hommes et femmes que nous voyons tous les jours à travers l'organisation des Moudjahidines du peuple, dont les femmes ont un rôle central. Ce n'est pas simplement des discours, nous le voyons dans la façon dont cette organisation travaille. On nous dit par ailleurs que, et c'est aussi, ça fait partie de cette désinformation mise en place par le gouvernement iranien, on nous dit, ah oui, mais ce Conseil national de la résistance iranienne est en fait une organisation sous la houlette de M. Trump. Alors, c'est très intéressant parce que lorsque je me suis intéressée à cette résistance, il y a bien des années, le régime iranien avait une autre version des faits. On nous le présentait, et on me l'a présenté moi personnellement, comme une organisation terroriste communiste. Alors, évidemment, ça me faisait quelque chose, puisque je venais de passer 7 années dans les mains d'une organisation terroriste communiste. Donc, rien de tel pour me mettre à distance de Madame Rajavi. Sauf que l'expérience est telle, et lorsque nous faisons de la politique, nous le savons, qu'une des armes préférées de nos contradicteurs, c'est souvent la diffamation, et qu'on prend l'habitude, en faisant de la politique, de ne jamais prendre les choses comme on nous les présente. On va toujours vérifier. Et je suis très heureuse d'avoir vérifié, puisque ça fait des années que je compte avec l'amitié de Myriam, que j'admire profondément. Et je pense qu'il faut recadrer toutes ces désinformations avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est une cause qui compte avec le consensus de toutes les forces américaines. C'est-à-dire que quand on voit le spectre politique américain, que ce soit Madame Pelosi, Nancy Pelosi, ou que ce soit jusqu'à Rudy Giuliani, qui travaille avec M. Trump, en passant par M. Kennedy, M. Torricelli, et d'autres démocrates en vue qui ont été parlementaires aux États-Unis, ou que l'on aille aussi à John Bolton, qui travaille avec le gouvernement Trump, eh bien, ils sont tous d'accord sur le fait, et c'est un consensus dans une diversité, dans une pluralité politique, c'est le consensus qu'il y a aujourd'hui une alternative à la dictature des ayatollahs, et cette alternative a un nom,
Et cette alternative s'appelle Madame Rajavi. Et je veux tout simplement mettre cette pluralité en perspective de la pluralité que vous avez ici au CPID, qui est la même pluralité qu'aux États-Unis, en France. Toutes les forces sont aussi présentes dans ce comité parlementaire pour un Iran démocratique, et c'est aussi une preuve que cette désinformation n'a pas de base, n'a pas de prise. Qui est Madame Rajavi? Rappelons-le. C'est d'abord une femme qui s'est battue très jeune contre le régime du Shah d'Iran. Elle a commencé sa lutte pour la démocratie il y a très très longtemps, très très jeune. C'est aussi une femme qui a perdu nombre des membres de sa famille, qui est devenue le visage visible de cette résistance aux ayatollahs d'une façon que je trouve assez exceptionnelle, et je comprends l'énervement et la vexation que peut subir le régime très misogyne des mollahs, de penser que ce sera une femme qui fera la transition de leur régime misogyne, dictatorial, cruel et terroriste vers une transition démocratique, pluraliste en Iran. Culte de la personnalité, entendons-nous dire aussi contre Madame Rajavi. Eh bien, vous savez, lorsque je suis revenue de captivité, j'ai été aidée psychologiquement par des personnes, parce que ce n'était pas facile de revenir après tant d'années dans un monde qui avait changé, avec des pressions, avec des choses qui étaient différentes par rapport au monde que j'avais connu. Et je me souviens, et ça a été quelque chose que je voudrais partager avec vous, le professionnel qui m'aidait, à un moment donné, m'explique en général les critiques qui sont faites, que ce soit des critiques personnelles ou institutionnelles, révèlent beaucoup plus de celui qui émet les critiques que de celui qui est critiqué. Parce qu'il y a un processus psychologique qui est celui de vouloir cacher ce que l'on est en accusant l'autre de ce qu'on n'a pas envie de révéler de soi-même. Et je le dis parce que pour moi, c'est une catégorie de réflexion qui m'aide beaucoup à comprendre ce genre de manipulation idéologique. Parler d'un culte de la personnalité lorsqu'on connaît Madame Rajavi, ça fait rire. Mais par contre, parler du culte de la personnalité des mollahs, c'est quelque chose qui est tellement évident qu'on n'a pas véritablement besoin de l'expliquer. Beaucoup de choses ont changé depuis des années. Aujourd'hui, l'OMPI est un mouvement reconnu qui a été enlevé des listes d'organisations terroristes des pays européens, des États-Unis, qui avait été inclus dans ces listes terroristes comme échange et tractation de gouvernements passés pour obtenir de l'Iran des bénéfices économiques. Heureusement que dans nos pays, il y a la justice. Et heureusement qu'à travers la justice, on peut faire face à ce genre de manipulation. Les choses ont changé. Aujourd'hui, nous savons, nous pouvons faire face à ce genre de désinformation puisque le MPI est véritablement reconnu comme un mouvement démocratique et un mouvement respectable. Les choses ont changé. Aujourd'hui, les terroristes, c'est les diplomates iraniens. Ce ne sont plus les membres du Conseil national de la résistance. Les choses ont changé. Aujourd'hui, la presse de ce qui se passe en Iran. Il y a 5 ans, avec le même nombre d'exécutions, les mêmes exactions du gouvernement iranien, tout était passé sous silence. Que les syndicats, eux aussi, se mobilisent, qui s'insurgeaient contre le fait que cette
ce gouvernement continue d'imposer sa dictature, sa tyrannie sur le peuple iranien. Et donc, mon appel aujourd'hui à vous tous, élus français, voix du peuple de la France, en sachant ce que vous avez été pour moi, la façon dont vous m'avez protégé, dont vous vous êtes engagé pour moi et l'effet que cela a eu sur ma vie et sur ma liberté. Je vous appelle à être la voix du peuple iranien, à être cette voix qui questionne, qui pose les bonnes questions. Je me félicite, par exemple, que dans un communiqué que j'ai lu, Michel, vous avez regretté le fait qu'un groupe de parlementaires soit allé en Iran et n'ait pas posé les questions sur, par exemple, l'attentat de Villepinte, alors que ça s'était fait quelques jours auparavant, qu'il n'y ait pas eu de mise en cause des exécutions sommaires en Iran ou des incarcérations de travailleurs, de journalistes, de femmes en Iran. Je vous demande donc, vous qui parlez au nom des Français, de prendre la voix du peuple français pour poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, c'est celles de nous dire jusqu'à quand allons-nous continuer de croire que notre seul interlocuteur légitime est la tyrannie des mollahs. Nous avons aujourd'hui la possibilité de compter sur cette femme extraordinaire, mon amie, Madame Rajavi, qui est là pour faire cette transition. Posons les bonnes questions. Et je pense que c'est en révélant la vérité que nous pourrons, nous, d'ici, depuis la France, aider le peuple iranien à retrouver sa liberté.